la page des bons petits plats de Didou Roubidou. Ah, j'ai un bon papo, hein. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une recette traditionnelle, la salade auvergnate. Nous sommes partis aux ingrédients. Alors, les ingrédients pour cette recette sont des lardons, des noix, du bleu d'Auvergne, du Saint-Nectaire, du Cantal entre deux. Des tranches de jambon d'Auvergne, des croutons, de la salade, j'ai pris de la mâche. Pour la sauce salade, il nous faut de la moutarde forte, de l'huile de noix, vinaigre de vin, je prends du balsamique, une échalote, du sel et du poivre. Et on commence cette recette par décortiquer les noix. C'est parti! Et voilà, les noix sont décortiquées. On passe à la suite. Allez, on commence par la coupe du fromage avec le Cantal entre deux. Acheté chez Aline, la fromagère du coin. Il faut toujours soutenir ces petits commerçants. C'est parti! Voilà pour le Cantal, le Saint-Nectaire, voilà pour le Saint-Nectaire, le bleu. Et voilà pour bleu. On va passer au jambon sec. On coupe les tranches de jambon sec. J'enlève la coigne. Bon jambon d'Auvergne acheté aussi chez Aline la fromagère. Bonjour.
Et voilà, bonjour mon sac d'OR. On va passer à la sauce vinaigrette. Bon, pour faire la sauce salade, je commence à couper mon échalote. Deux cuillères à soupe de vinaigre. Quatre cuillères à soupe d'huile de noix. Allez, on va faire cuire les lardons, puis après on passera au dressage. Il me faut le feu. On fait chauffer un petit peu la poêle. Et je mets mes lardons à cuire. Voilà, il y en a assez. Lardons achetés à la boucherie Brassacoise, à notre commerçant de notre bonne ville de Brassac-les-Mines.
faut soutenir nos petits commerçants. Et voilà, mes lardons sont cuits, je les réserve, je les ferai réchauffer tout à l'heure. Allez, on passe au dressage. Un peu de salade, toujours de la mâche, voilà, on sec. Le fromage, Cantal, le bleu, Saint-Nectaire, les lardons que je viens de faire réchauffer, les noix, on remue un peu, j'ai la même propre, hein. Et quelques croutons. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère vous aura plu sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, d'appuyer sur le petit pouce bleu, et vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. Voilà les bons petits plats de Didou Roubidou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.